Moi aussi, j'ai cette souffrance qui est en moi, qui est forte. Et puis bon, en plus, moi, j'ai perdu mon père dans des conditions très particulières. Donc voilà, c'était... On peut revenir deux secondes dessus, parce que qu'est-ce qui s'est passé, Pascal Sautin, avec ton papa? Tu n'en as jamais vraiment parlé? C'était un papa très dur, donc très dur, un ancien militaire engagé qui a fait la guerre d'Algérie, donc une éducation très... On le voit sur la photo, hein, il rigole pas. J'avais d'autres photos, mais celle-ci... En fait, c'est la photo qu'on a utilisée pour l'enterrer, en fait. Donc, c'était encore plus fort. Ah oui, d'accord, moi je comprends. C'était encore plus fort. Ouais. Donc voilà, et puis il a décidé de partir, ouais, tout simplement. Et il s'est suicidé, donc. C'est ça. Okay. C'est la première fois que j'en parle. Hein. D'accord, bah écoute, merci de nous faire confiance. Et tu vois, c'est une exclu. Bon, et en même temps. Quelle exclu? J'ai trouvé le moment super joli. Et au lieu de parler de toutes ces conneries, de déconner, machin, moi j'aime bien faire un petit peu de tout dans cette émission. C'est, et c'est ce qu'on fait, notamment quand on l'avait fait avec Chantal là-dessous, quand t'es venu, t'étais là. Mais déjà, t'as deux petits, toi. Oui, les enfants ont bien grandi. Ah bah oui. Ils ont connu leur grand-père, parce qu'à quel âge il est parti? Tu l'as perdu. 74 ans. 74 ans. D'accord, ok. Donc ils l'ont bien connu. Ils l'ont bien connu, ouais, parce qu'il a tout petit, ils étaient déjà avec mes parents. D'accord, donc, ok. Il a vécu comment, ton papa, puisqu'on est sur le sujet, puis après on partira là-dessus, on va pas faire. Il a vécu comment, c'est-à-dire? Comment il a vécu ta notoriété et cette émission? Parce que t'es un modèle pour beaucoup de gens, ouais, donc je pense qu'il était très fier de son fils. Ça a permis de nous soigner tous les deux, parce qu'on était en conflit. Moi, j'étais en conflit en grandissant sur sa façon de m'éduquer, sa façon de faire les choses, sa violence. Il était agressif, en fait, c'est ça? Ouais, pas agressif, il était violent. J'avais un papa violent. Et en fait, quand je suis passé à la télé, j'avais besoin, moi, de lui parler. J'avais besoin de lui dire. Quand j'ai commencé à la télévision, j'avais 35 ans. Quel petit moment, déjà. C'est une sorte de thérapie, en fait, ce que vous avez fait à la télévision. Ouais, non, j'ai pas fait de thérapie, en fait. La télé s'est présentée à moi, et puis j'ai accepté de m'y rendre, et puis voilà, de faire ce que je fais aujourd'hui, et de le faire bien en tout cas, et de le faire avec le cœur, parce que je suis sincère et je suis droit dans ce que je fais. Et quand mon père m'a vu à la télé, il m'a appelé, il m'a dit: il faut que je te parle. J'ai dit: ça tombe bien, moi aussi. Donc j'avais envie, c'était le moment pour moi, j'étais prêt à lui balancer tout ce que j'avais vécu, les punitions, les machins, les ceci, les cela, que j'avais mal vécu, le fait qu'ils me mettent dans des écoles qui n'étaient pas du tout les miennes, en CAP, en BEP, et puis moi je me suis débrouillé pour passer ensuite bac, etc., BPGEPS, DE, diplôme d'État, brevet d'État, etc. Et par mes propres possibilités, moyens, et je savais que j'étais capable, mais mon père ne me croyait pas capable, en fait. Il me disait: tu réussiras jamais, tu seras comme moi, un ouvrier, etc. Ah ouais, d'accord. Donc, très rabaissé. Ouais. Donc, d'où les arts martiaux, pour prendre confiance en moi. Donc, d'accord, oui, je comprends bien maintenant, parce que c'est pour ça que tu es comme ça, Pascal. Mais c'est vrai qu'on ne le sait pas, ça. Donc, donc 35 ans, à l'époque, je vais voir un psy, parce que je dis: voilà, j'ai besoin d'aide. Il me dit: mais écoutez, votre truc, c'est d'aller voir votre père. Sauf que j'avais pas le courage, j'ai toujours cette crainte et cette peur de lui. Et puis, je prends mon courage à deux mains, je me dis: allez, c'est le moment. Et à ce moment-là, c'est marrant, parce que je dirais que les énergies se sont rejointes, c'est ça. Hein. Et il me dit: il faut que je te parle. Je dis: moi aussi. Donc j'arrive chez lui, je dis: bon, bah écoute, il me dit: tu veux me parler? Je dis: bah non, papa, écoute, à toi l'honneur, tu voulais me parler, donc vas-y, je t'écoute. Et puis moi, j'étais prêt à vider mon sac. Hein. Et il me dit: bah écoute, voilà, je savais pas que j'avais un fils comme toi. Je dis: papa, tu me connais, je suis ton fils, tu m'as élevé, ça fait 35 ans, hein. Tu sais qui je suis quand même. Il me dit: non. Il me dit: quand je t'ai vu à la télé, je pensais pas que j'avais un fils comme toi, donc je suis fier de toi. Et ce mot-là, il me l'a jamais sorti. Et quand il m'a sorti ce mot-là, à l'âge de 35 ans, je me suis senti léger, soulagé. Et toute cette espèce de haine et de rancœur que j'avais contre lui a disparu. Donc il me dit: toi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je dis: bah écoute, rien, tout va bien, merci. Et puis voilà. Sauf que je lui ai jamais dit je t'aime, je lui ai jamais dit merci pour ce que... Oui, c'est ce que tu expliques dans la vidéo, que tu n'as jamais réussi, tu ne lui as jamais dit, et ça tu l'as... Oui. À ma mère, oui, mais à mon père. T'as senti, toi, Pascal, qu'il allait partir un de ces quatre? Non. Non, tu ne l'as pas du senti. Du tout. Donc ça a dû être terrible quand même pour toi, parce que c'est vrai qu'on voit quelqu'un, et c'est vrai qu'on a cette image de Pascal, le grand frère qu'il a, qui rien ne peut lui arriver. Ouais. Et c'est vrai que c'est pour ça que je voulais passer cet extrait, parce qu'on se rend compte là que si t'es comme ça, c'est que vraiment il s'est passé quelque chose d'hyper puissant. On va pas tout raconter, mais c'était pas simple. Moi, j'ai un petit frère, fait que je veille sur lui, donc et il fallait pas qu'il voit cette espèce de violence à la maison. Donc moi, je protégeais mon frère, je protégeais à la fois ma mère. J'étais petit, donc je me suis dit: comment je peux faire pour défendre ma famille? Donc les arts martiaux, les sports de combat. Donc et quand j'allais sur un tatami, en fait, j'avais qu'une vision. C'était un jour, je serais face à mon père. En fait, c'était ça l'idée.